les coudes tirés par des ficelles cosmiques, ô combien comiques. Les coups du mec, du mac se mêlent aux mimiques du mal, mais d'un pêle-mêle de mots et d'images, ils l'hypnotisent. Encore. Encore. Cécile, Daphné, Moana, Camille, Laetitia, Fatima, Paula, parmi celles qui s'en sont sorties. Rebecca, Valérie, Florence, Marinette, Sylvia, Monique, parmi celles qui sont parties. Demandez-leur si changer le pansement suffit. Nous sommes le 18 septembre 2020. Nous sommes le 18 septembre 2020 et 66 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année. Elles étaient 150 en 2019, 121 l'année précédente. Parmi celles qui s'en sont sorties, certaines parviennent à témoigner. Il ne faut jamais croire qu'un homme peut changer. Il faut partir. Une autre, j'hésitais entre en finir ou appeler au secours. Alors oui, accepter la réalité, c'est difficile. Se révolter, c'est prendre des risques. Partir, ce n'est pas fuir, mais se sauver. Sauver sa peau. La peau, brûlée par des cigarettes, abîmée par des coups de poing. C'est sortir la tête du mur. Littéralement. Quand cacher des hématomes devient un quotidien, les pansements ne peuvent plus rien si ce n'est baliser le chemin des affres. Des hommes, des femmes, des astres qui s'entrechoquent jusqu'à ce que l'un d'eux disparaisse. Bêtise, paresse. Tous ces mots qui heurtent encore plus que des claques, qui décalquent le cœur et l'âme, blanc livide, sang liquide. Bien sûr, le bonheur s'en écarte. On accepte une fois, puis deux, trois, quatre. Des coups, des cris. C'est le cœur qui dégouline d'être aussi bousculé jusqu'au lit. Des coucheries et des goûts terribles. Des coups de chérie à « tu me dégoûtes, t'es ridicule ». C'est toujours celle qui le sait le mieux qui nie, celle ensorcelée, menée de port en port comme une bouteille qu'on jette sur le bord du quai, morte, vidée, qui se brise au vol et ne s'en remet jamais vraiment. Car les pansements peuvent dissimuler quelques plaies, mais jamais les guérir. Les médicaments ne servent qu'à oublier. Les mains sur l'épaule font chaud au cœur, mais cette chaleur n'évacue pas la douleur, le traumatisme, la torture psychologique et ses séquelles, la crainte constante, l'angoisse, la remise en question jusqu'à l'extrême, la perte de confiance en soi, l'isolement, la privation d'autonomie, la honte, la colère, le désespoir, la perte de repères, l'effondrement de la personnalité. Les pansements sont une bien maigre consolation pour un humain en miettes. Il y a 12 ans, Céphiou chantait « Suis-je le gardien de mon frère ?» Aujourd'hui, je suis le gardien de mes sœurs. Des coups de pression essuyés seuls avec la peur de se faire planter. Des jours très sombres et dans son cœur, c'est l'hiver, même en été. Je vais m'entêter, mais je peux pas m'arrêter. Quand je croise une fille tard dans la rue, c'est moi qui ai honte et je baisse les yeux pour tous les mecs qui l'ont maté. Cette conclusion m'attriste. Mais si elle flippe jusqu'à pas d'heure, c'est que sur cette terre, faut faire le tri. Les mœurs ne changeront pas toutes seules. Les pansements, c'est juste un leurre pour mieux cacher les plaies. C'est des lunettes noires sur le cœur pour se voiler la face exprès. Les choses ne bougeront pas si on compte sur Marlène Schiappa. À nous de prendre le problème à bras-le-corps. Et s'il le faut, je le crierai pour qu'on m'entende jusqu'au balcon. Imagine-toi cette femme poussée par-dessus son balcon. C'est peut-être ta mère, ta fille, ta sœur ou bien ta femme. Et même si ce n'est pas le cas, ça n'en devient pas moins infâme. Arrêtons d'éduquer les jeunes filles avec l'injonction d'être belle, avec la fonction d'être utile et la peur de ne pas être celle que l'on attend. Arrêtons d'éduquer les garçons pour être forts, virils, violents et cyniques. Sinon, l'addition sera salée, le bilan sera clinique. Bien sûr, mon regard est critique. Écrivons sur tous les murs, tu n'es pas seul et je te crois. Quand une fille se fait violer dans un lit ou dans le métro, ne détournons plus le regard. Il est temps de sortir les crocs. Mes mots n'auront peut-être pas d'impact, mais ils ne seront pas de trop. Mettons en doute les accusés avant les accusations. Luttons en groupe pour mieux remplir et l'Élysée et les prisons.
Ne tolérons ni les insultes, ni les violences, ni l'intimidation. Et prônons qu'on ne doit traiter les femmes qu'avec amour et compassion, que l'on ne doit toucher leur corps qu'avec tendresse et consentement. Rien ne sert de changer le pansement. Si tout cela m'écœure encore, c'est qu'il est l'heure du changement. Il y a 12 ans, ces fios chantaient « Suis-je le gardien de mon frère ?» Aujourd'hui, nous sommes toutes et tous les gardiens de nos sœurs.